Chevalier de Medievalia et un pirate redoutable. C'est pas un tout petit dragon qui va me faire peur. Flash, tu l'avais dit. Même pas peur. Hé, je peux t'appeler Rudolf? Je trouve que ça te va bien. Bon, tu sais quoi, j'ai une super idée. Je vais me servir de ta queue comme gouvernail. Alors, Rudolf, prêt pour l'aventure? Le problème, Rudolf, c'est que j'ai pas réuni assez de pièces d'or pour payer la rançon de papa. Tout ça parce que ce maudit baron noir a voulu voler le trésor. Le trésor destiné aux gagnants du tournoi. Mais où? Rudolf, en avant toute! Cap sur l'île de la poudrière! Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Alors, j'ai sauté sur l'espadon et là... Pas de citons, hein? Par ma barbe! Je crois pas mon œil! Salut les gars! Poussez-vous de la bande de sardines en conserve! Oh. Allez, hors de mon chemin! Alors, c'est quoi ce bazar? Toi? Eh oui, c'est moi! Moi et mon copain le dragon! Pas mal pour une mouflette, hein? Tu crois m'impressionner avec ton espèce de lézard? Je ne sais pas ce qui me retient de... Je ne vois pas l'utilité de posséder un dragon. Et si tu pensais échanger ton père contre cette créature, tu te trompes. Tu étais censé ramener un trésor, il me semble. Tu as échoué, jeune fille. Quoi encore? Un sac d'or. Est-ce que ce serait suffisant? Hein? Non, parce que... sinon... j'en ai un autre. Waouh, nom d'une crevette séchée. Bien joué, Ruby. Silence. Bon, tu me rends mon père maintenant ou quoi? J'ai le trésor, non? Alors ne perdons pas de temps. Tu as raison, le temps c'est de l'or. Je vais te rendre ton père. Mais en échange, tu me donneras ce dragon, ce trésor et tu me rendras mon sabre. Je veux bien te laisser le dragon. Mais je ne te donnerai le trésor et le sabre que lorsque j'aurai revu papa. Ne m'en veux pas, Rudolf. Je fais ça uniquement pour sauver mon père.